Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir où trouver le bateau sur The Forest. Et pour ça on va partir de l'avion à partir duquel on se crache. Tout simplement parce que à peine vous vous crachez et que vous commencez le jeu, vous devez aller directement chercher le bateau, c'est ultra important. Outre le fait que le bateau est sur l'eau par définition et donc à l'abri des indigènes, c'est aussi un excellent emplacement pour faire sa base. Déjà parce qu'il y a de l'eau pour faire son bateau sur l'eau à l'abri des indigènes, et aussi parce qu'on est au centre de l'île. Donc là, il y a la nana qu'on découpe là pour récupérer la hache, mais j'arrive pas. Un avion sur. Il y a un oiseau sur moi. Je sais pas comment j'ai fait. Alors, je sais plus comment. J'arrive plus à remonter dans le bateau, mais voilà, il y a la nana là qu'on découpe en morceaux. Ah, j'ai réussi. Voilà, qui est juste là. Donc, quand vous commencez votre partie. Donc déjà, au passage, n'hésitez pas à récupérer sa tenue parce qu'elle tient chaud. Hop. Et c'est à partir de ce début de jeu qu'on va aller chercher le bateau. Donc pour ça, très simple, on va tout droit. Donc là, je fais une vidéo The Forest tout simplement parce que mon PC est encore en réparation. Et puis, il y a toutes mes vidéos Dark Souls que je devais sortir qui sont sur le PC. Donc, en attendant qu'il sorte du réparateur, on va faire du The Forest. Donc là je suis au bord, vous voyez, il y a de l'eau. Et on va tout simplement longer la droite en boucle. Hop. Alors, regardez bien, hein, je vais à ma droite en longeant l'eau. Si vous êtes amené à longer la gauche de l'autre côté, en fait, c'est que vous êtes à l'envers. Alors je sais pas trop comment on le percevrait. De toute façon, au bout d'un moment, vous faites le tour de l'île. Hein. Mais... Voilà, faites exactement les mouvements que je fais. Vous longez la droite. En vrai, en fait, ça m'est jamais arrivé de me retrouver à l'envers. Donc je pense que l'orientation de l'avion nous pousse un peu à nous orienter vers le bateau dans tous les cas. Parce qu'encore une fois, c'est un point d'intérêt beaucoup trop important. Alors là, vu que je suis sur mon PC portable... J'ai mis tous mes paramètres au minimum. Donc c'est possible que il faille que je sois très près du bateau pour l'apercevoir parce que j'ai une distance d'affichage pourrie. Là par exemple il doit être devant nous là. Normalement. Je reconnais la zone. Hop. J'ai quand même un peu hâte de récupérer mon PC fixe. Même si je pense pas qu'il sera réparé, je pense que je vais devoir me faire l'idée de jouer avec un PC qui fait des écrans bleus. Voilà, vous voyez? Et le bateau, il est là. Donc, vous avez vu, il y a un petit trou d'eau au bout d'un moment. On reconnaît l'emplacement du bateau, en fait. Et du coup, ici, notamment, vous aurez des tortues pour fabriquer vos récolteurs d'eau qui vont sortir de l'eau. Il y en a là qui arrivent vers la surface. Vous la voyez. Et vous pouvez aller au bateau sauvegarder. Et vous allez construire votre bateau, votre base, juste ici là. Au passage, le fait d'aller dans l'eau va vous laver du sang. Parce que, souvenez-vous, quand au tout début du jeu, vous êtes complètement ensanglanté. Là, vous commencez... Enfin, en allant dans l'eau, en fait, vous allez vous laver. Vous êtes tout propre. Donc là, vous n'hésitez pas à récupérer quelques trucs. Ça rame un petit peu, excusez-moi. Voilà. Ça, je crois que c'est un plan pour les bateaux, je suis même pas sûr. Mais ce qui est vraiment important pour le coup, c'est la corde. Elle est même pas affichée. Bon, il y avait une corde ici. Cassette. Hop, là il y a une corde. Par terre, là il y a une corde. Et encore là, il y a une corde. Ça fait trois cordes. Ouf. Ouf, ma RTX 3060 me manque là. Ouf. Ouf. Vous ramassez tout ce que vous voyez, hein, n'hésitez pas, c'est gratuit. Là, c'est une photo de votre fils, je crois, je suis pas sûr. Hop, vous avez à boire. Là, c'est la photo d'un démon. Là, il y a à manger. Là, il y a des trucs pour respirer sous l'eau. Je pensais qu'il y avait à manger et à boire là-dedans. Et ici, regardez, vous avez l'emplacement de sauvegarde. Vous pouvez vous reposer ici.
Donc vous appuyez sur C. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez votre point de sauvegarde, le bateau. Par contre, je vois un truc. On a les temps de jeu? On n'a pas les temps de jeu. Jour 6. J'ai pas dû sauvegarder les autres parties, c'est pas grave. La grosse partie que, où j'avais fini le jeu. Donc voilà, vous avez l'emplacement du bateau. Et c'est à partir de cet emplacement que je vais vous montrer toutes les positions d'armes et objets de The Forest. Parce que c'est un peu le. C'est le point d'intérêt le plus connu, le plus central du jeu. Donc quand on vous indique une direction, le mieux c'est de partir du bateau. Et vous voyez tout de suite d'où on part. Par contre, ouais, ouf. Ouf. Ma RTX 3060 me manque. Mais écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!